Une autre. Vous rejouez ? Une seconde. Hey, allô? Chéri. Salut, ma belle. Qu'est-ce que tu veux? Jerry. J'ai besoin de mon blé, Ellie. T'es bourré. Et toi, t'as plus d'un mois de retard, j'ai besoin de ma pension. Je te l'ai déjà versé, je te dois plus rien avant le mois prochain. Ellie. Oh. Écoute, c'est... C'est une urgence. Attends, tu te fiches de moi. Moi-même, j'ai du mal à joindre les deux bouts avec mes deux boulots. Non, justement, Jerry, je peux pas compter sur toi. J'ai jamais pu. Tu raccroches pas, compris? Sinon, je débarque chez toi, je te préviens! C'était Jerry? Allez, retourne te coucher, ma puce, d'accord? Bon, tu veux dormir avec moi? Tu vas appeler la police. Oh non. C'est ton père. T'inquiète, c'est rien. Mais il appelle toujours à n'importe quelle heure. Je sais. Allez, il faut que tu dormes, chérie. D'accord. Bonne nuit. Toi aussi. Là-bas ? Oui. Cette tenue ne va pas, le tissu est déchiré et j'arrive pas. J'ai pas le temps, débrouillez-vous. Mélanie, faut que je te parle. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ton boulot. Rappelle-moi quand commence la répétition générale. Dans une heure. Oh, mais rien n'est prêt. Ouais. Pourtant, il me semble que ton boulot consiste à faire en sorte qu'on soit prêt. On sera, pas de souci. Je viens de passer devant trois employés qui ne fichaient rien, le décor n'est même pas terminé, et la couturière s'est ruée sur moi, totalement désemparée, parce que le costume principal de la représentation est déchiré. Sans parler de cette gourde de Gretchen qui s'est cassée la jambe il y a tout juste une semaine, parce qu'elle ne connaissait pas assez bien la chorégraphie. Je ne voudrais pas... Moi qui croyais que tu tirais une fierté de cette salle de théâtre et de toute son histoire, mais on dirait que je suis la seule. Et dire que je me suis tuée à la tâche pour la conserver, tout ça pour vous laisser faire n'importe quoi. Alors que toi, pendant ce temps-là, tu gardes les yeux rivés sur ton écran. C'est le tableau... Sans même te rendre compte que tout l'univers est en train de s'effondrer. J'ai une livraison ici pour le théâtre. C'est bon, on sera prêts. Ah oui. Et comment ? Le costume principal est fichu et je sais que tu n'en as pas de rechange. En fait, je sais ce que tu essaies de faire, Mélanie. Je sais très bien ce que tu penses de moi, et de toute évidence, tu crois pouvoir t'octroyer tous les privilèges sans jamais devoir faire le moindre effort. Désolé, j'ai mais sache que je ne te laisserai jamais me saborder, moi, ni ce théâtre, simplement parce que tu ne fais pas ton travail. Mais ce n'est pas ce que je fais, je... Quoi donc, ton travail? Non, en effet. Et je suis ravie que tu le reconnaisses. Mais il serait temps de faire tes preuves, Mélanie. Bien, à présent, je vais me retirer dans mon bureau, et pendant les 15 prochaines minutes, je veux qu'on me fiche la paix. Bonjour, j'aurais besoin juste d'une petite signature. Demandez à ma nièce. Et c'est qui sa nièce? C'est moi. Ah, super. Signez juste là, s'il vous plaît. Voilà. Cool, okay. Merci. Bon, passez une belle journée. Vous aussi. On a reçu le nouveau costume? Oui, génial. Je comprends pas. Désolé, Kevin, c'est le comité qui a décidé. Mais Marc a dit que j'étais le meilleur. Franchement, Kevin, il y avait au moins trois candidats mieux placés que toi pour le poste que tu voulais. C'était l'opinion du comité ou juste ton opinion, Sarah? Je ne suis pas sûre de comprendre. T'es sûre que c'est pas à cause de cette soirée où toi et moi... Je ne vois pas du tout de quoi tu es en train de parler. Je t'en prie, Sarah. Grandis un peu.
Ça va pas fort, on dirait. Désolé. Encore un échange charmant avec ma patronne. Mauvaise journée. Ouais, à qui le dis-tu? Tu veux qu'on aille boire un verre? Ça marche. Ellie? J'ai quasiment fini, alors... Ah oui, ok. Mais tu veux un coup de main? Non, c'est bon, je suis pratiquement prête à fermer. Ça roule. À plus. Merci, bonne soirée. Coucou, Jenny. Maman, salut. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais un exposé super important à rédiger pour l'école? Oui. Je me disais que si t'avais pas trop boulot ce soir, tu pourrais peut-être me donner un coup de main. Non. Non, ce sont tes devoirs, chérie. C'est pas à moi de les faire, d'accord? C'est comme ça que t'apprends. D'accord. Mais je leur lirai demain matin pour t'aider, si tu veux. Est-ce que ça te va? Tu penses rentrer à quelle heure? Eh ben, j'ai aucune course prévue ce soir pour l'instant, donc normalement, je... Attends une seconde. Écoute, je viens de recevoir une demande. Je dois dire oui, chérie. Il y a des restes dans le frigo, d'accord? D'accord. Je suis désolée. Ça fait rien. On a besoin de cet argent. Oui. Allez, commence ton exposé. Oui, à vos ordres. Si elle faisait exprès de me provoquer. Bonsoir. Bonsoir. Tu crois vraiment que c'est intentionnel? Alors... C'est pas innocent, c'est bien clair. Vous, Kevin? Oui, c'est bien parfait. Moi. Parfait. Donc on va toujours au 345 East Hooper Street? Oui, c'est bien l'adresse. Tout va s'arranger. J'en suis pas si sûr, franchement. Pas tant que je bosserai avec elle, en tout cas. C'est un cauchemar. Ça a l'air important, alors je crois qu'il vaudrait mieux que je décroche. Désolée. Jerry. Jerry, je sais que t'es là. C'est toi qui m'as appelé. Parle-moi. Bon, t'es où? En train de travailler. Tu sais que tu devrais pas parler au téléphone alors que t'es au volant. Ce que je veux, Ellie, c'est que tu dises que t'es désolée de m'avoir raccroché au nez hier soir. S'il te plaît, Jerry. Je te demande de me dire que t'es désolée de m'avoir raccroché au nez! Je suis désolée de t'avoir raccroché au nez comme ça hier soir. C'est bien. Maintenant... C'est quoi ce délire? Je veux que tu le répètes. Mais en étant sincère. Vous pouvez m'excuser une petite seconde? Ok. Merci. Bah dis donc, c'était qui d'après toi? J'en ai aucune idée. Je suis désolée, il fallait que je réponde. Pas de problème. Mais ça va aller, je connais un raccourci pour y arriver plus vite. Est-ce que tout va bien? Ça avait l'air assez sérieux. Oui, heureusement qu'on a les ordonnances restrictives, pas vrai? Si vous en avez une, ce gars devrait même pas vous téléphoner. Non, il devrait pas, c'est clair. Eh, on va boire un verre, vous n'avez qu'à venir? C'est très gentil à vous, mais ma fille m'attend. Écoutez, Kevin et moi, on a passé tous les deux une journée vraiment atroce. Mm-hmm. On a simplement envie d'aller se détendre et de se raconter tous nos malheurs. Ça vous ferait du bien de nous accompagner? On fera une thérapie de groupe. En plus de ça, je vous promets un super pourboire à la clé. Alors?
D'accord. D'accord, laissez-moi simplement prévenir ma fille. Génial. Cool. Elle m'a bien fait comprendre que c'était seulement une histoire d'un soir. Ses mots exacts, si je me rappelle bien, étaient que les cadres ne doivent pas être vus avec des subalternes. Ellie, t'es sûre que tu veux pas un verre? Non, je rentre en voiture. Et moi, ça m'allait. C'est vrai. Je lui ai dit que ça me dérangeait pas. Mais ensuite, quelques jours plus tard, je crois qu'ils ont appelé ça des restrictions budgétaires. Enfin bref, mon salaire a été diminué. Puis on m'a transféré à la plateforme téléphonique. Enfin, sur un poste de management. Mais bon, quand même, la plateforme téléphonique? Genre, j'ai trimé comme une bête pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Pour en revenir où j'étais. Maintenant, à chaque fois que je demande un changement de poste, il est rejeté. Chaque fois que je pourrais avoir une promotion, on m'envoie sur les roses. Alors que c'est elle qui m'a dragué. On a tous quelqu'un parmi nos proches qui rendrait service à tout le monde s'il mourait du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. À Sarah Olsen. T'en valais vraiment pas la peine. Bon, on a parlé de la patronne de Kevin, on a parlé de ma tante Lisa. Ellie? Oh non, non, vous n'avez pas envie que je vous raconte mes malheurs. Oh que si, ma belle, c'est ton tour. Ouais. D'accord. Il y a un petit bout de temps, quand j'ai enfin décidé de quitter mon ex, je suis partie avec ma fille. Jerry et moi, on était en pleine bataille pour le divorce quand il a eu un accident qui l'a cloué dans un fauteuil roulant. Suite à quoi, il a été déclaré handicapé et inapte au travail. Du coup, ses avocats s'en sont servis pour me contraindre à lui payer une pension. Ce qui veut dire que je suis forcée de me tuer au travail jour après jour pour lui donner de l'argent qu'il va ensuite claquer au casino parce qu'il est accro au jeu. Et il en veut toujours plus. Et donc il est sans arrêt en train de sonner chez moi, de m'appeler, de me supplier, de me menacer parfois. Enfin bref, il est toujours prêt à se donner le plus grand mal pour faire de ma vie un enfer. Je suis désolée. Mais pourquoi t'appelles pas les flics? Ah, je les ai appelés. Je les appelle même tout le temps, en fait. Mais vous connaissez pas Jerry. Il arrive à duper tout le monde. Et puis les policiers, ils ont pas envie d'être vus en train de malmener un type en fauteuil roulant. Peu importe si le type en question est une ordure. Des fois, quand j'ai cette impression que le monde entier se ligue contre moi et que je commence à penser que jamais je pourrais m'en sortir, il y a cette idée qui tourne en boucle dans ma tête. Oh, on y revoit. Ok. Bon, imagine un groupe de personnes qui en ont toutes assez, qui sont saoulées de leur vie et qui décideraient de signer un pacte pour améliorer leur vie respective. Peu importe ce que ça coûterait. Mais si elles peuvent rien faire pour améliorer leur vie, qu'est-ce qui te fait penser que ta vie peut être améliorée par les actes de quelqu'un d'autre? Eh bien, parfois, tout ce qui nous manque pour régler nos problèmes, c'est la perspective de quelqu'un de l'extérieur, rien d'autre. Quelqu'un comme toi? Ça, c'est bien joli, seulement je pense que ce serait illégal de faire ce qu'il faut pour réparer ma vie. Ouais, ce serait illégal de faire ce qu'il faut pour réparer n'importe laquelle de nos vies. Illégal peut-être, injustifié en revanche, non. Attendez, une minute. Est-ce que t'es vraiment en train de suggérer ce que je crois? Ce serait tellement simple. Sérieux, vous êtes pas d'accord? Moi, je dépanne Kevin, Kevin lui dépanne Ellie, et Ellie me dépanne moi. Mais en faisant quoi? En faisant le nécessaire. Ouvrez les yeux, ces gens-là n'arrêteront jamais de nous pourrir la vie. Vous croyez qu'ils vont se réveiller un matin et avoir une révélation? Non, ils pourront jamais changer. Donc, moi je me charge de ta patronne, Kevin, toi tu te charges de son ex, et Ellie, tu te charges de ma tante Lisa. Et bim! Nos vies deviennent tout à coup plus belles. Quoi? Et tu veux dire quoi exactement quand tu dis qu'on doit s'en charger? Je vais vous laisser y réfléchir pendant que je vais me chercher un autre verre. C'est pour moi. Merci. Mais de rien. Comment tu t'appelles? Désolé pour ton ex. Ça a vraiment l'air d'être un con. Oui, on peut dire ça. Franchement, tu mérites mieux. On se connaît à peine. Comment tu peux savoir ce que je mérite ou non? Je vois. Très bien, laisse-moi reformuler. Disons qu'à l'avenir, j'espère que tu trouveras quelqu'un de mieux que Jerry. Moi aussi, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation.
T'as déjà pensé à changer de boulot, par exemple? Oui. Mais en fait, pourquoi ce serait à moi de partir, au juste? C'est vrai. Ok, c'est vrai, je suis peut-être un peu de mauvaise foi. Non? Je sais pas, je devrais peut-être laisser le passé où il est. Et repartir de zéro. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Oh, c'est gentil, mais ça va, j'ai besoin de rien, merci. Vous en avez profité pour réfléchir tous les deux? À propos de quoi? De cet accord entre nous, pour régler nos problèmes. Non, elle plaisante. Ah, vraiment? Ok. Ce dont tu viens d'être témoin, c'est le discours classique de la Mélanie mythomane. C'est rien que de la gueule. Pas nécessairement. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Si tu as le courage de passer la première, et je sais très bien que non, alors je serai partant. Et tu te dégonfleras pas. Ellie? Qu'est-ce que t'en dis? Imagine que soudain t'es plus à avoir cette menace planer au-dessus de ta tête en permanence. J'admets que ce serait vraiment cool, mais... Enfin, je veux dire... Soyons un peu sérieux, quoi. Je le suis carrément. Bien sûr. Et moi, je suis carrément sérieux quand je te dis que t'as peut-être un peu trop bu. Vous savez quoi? Je me rends compte qu'il est vraiment l'heure que je rentre chez moi. C'est bon pour vous? Vous êtes prêts à y aller? Ouais. En fait, je crois que je vais rester encore un peu. Ah oui? Et ça, c'est ma participation pour le trajet de l'allée. Oh non, c'est... Allez, prends-les. C'est beaucoup trop. Et encore merci. Amusez-vous bien. D'accord. À la prochaine. Bon, écoute, Mélanie a parfois de drôles d'idées. Ok? Et il lui arrive de s'emballer un petit peu sans vraiment pousser son idée jusqu'au bout. Oui. D'autant que sa situation est bien pire que la mienne. Mais demain, elle aura tout oublié, comme d'habitude. Et donc, toi et Mélanie... Est-ce que tous les deux... Non, 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 pas nous deux. Non, elle et moi, on est juste amis, rien d'autre. Vous vous êtes rencontrés où? Au bar, à vrai dire. On avait tous les deux passé une de ces horribles journées, comme on les connaît. Chacun était venu noyer son chagrin et on s'est parlé. Et très vite, on a créé des liens. Mais pas des liens amoureux? Non. Non, pas avec Mélanie. D'ailleurs, pour être franc, avec personne. Et toi, alors? Je commence à me demander si un jour je serai prête à me lancer à nouveau dans une histoire, pour être tout à fait honnête. Après ce fiasco avec Jerry... Tu l'aimes toujours? Non, je l'aime plus. C'est terminé. Bon, il faut vraiment que je rentre, ma fille est toute seule. Ça roule, pas de soucis, je comprends. Ok. Est-ce que ça te dirait de reprendre cette conversation, disons, demain, par exemple? Demain? En fait, je dois aller au travail, à mon autre travail dans la journée de demain. Oui, et puis oui. J'ai aussi promis à ma fille de l'aider pour un exposé. Oui, c'est bon. Mais sinon, dimanche, pourquoi pas? Sérieux? Oui, ça t'irait? Ouais, ce serait nickel, dimanche. Génial. Ok. Super. Kevin. Oui, Kevin. ok, alors on se dit à dimanche. Cool. Bonne soirée. Léonidas? Comment ça se fait que je ne sache pas qui c'est? C'est pour le cours d'histoire. C'est un roi de la Grèce antique qui commandait les soldats martiens. Spartiens. Les soldats spartiates, ça y est, j'y suis, les Spartes. Je te montre ce que j'ai écrit pour l'instant. D'accord. Alors, Léonidas... Et donc, c'est demain le grand jour? T'as rencard avec un gars? C'est juste un ami. Oui, que tu connais à peine. C'est ça, et j'apprends à le connaître. Ben ça, c'est un rancard. Ok, d'accord, c'est peut-être un rancard. Génial. Enfin, ce gars, c'est pas un gros nul, hein?
J'espère pas. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ça pourra jamais être pire que Jerry. Ouais. J'espère que non. Hé. Tu sais, c'est pas parce que moi je l'appelle Jerry que toi t'es forcée d'en faire autant. Il reste ton père après tout. Non, plus pour moi. Profite bien de ton rencard, d'accord? Merci. Et toi, profite bien de tes spartiens, surtout. Oui, allô? Salut, c'est Kevin. Salut. Je suis presque prête, justement. Alors... Désolée, Ellie, mais... à propos de notre rendez-vous... Oui? J'ai un imprévu. C'est pas mon genre de faire ça, mais... là, c'est important. D'accord. Oui, je... Je comprends, c'est rien. Merci. Je suis désolée. Oui. Salut. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. De rien. Et passez une bonne journée. Ellie Yudan ? Oh oui, c'est elle, juste là. Merci. Ellie Yudan ? Oui ? Bonjour, je suis le lieutenant Marx de la police. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Est-ce que c'est à propos de Jerry ? Non, madame. Connaissez-vous Kevin Moore ? Kevin ? Oui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? C'était vendredi soir. Et c'était à quelle heure, au juste ? Je dirais aux alentours de 20h et environ minuit. Oui, c'est à cette heure-là que je l'ai déposé. Minuit. Où est-ce que vous étiez ? On est allé dans un bar. Je ne me rappelle pas comment il s'appelait, mais c'était sur Hooper Street. Des gens vous ont vu là-bas ? Ouais. Excusez-moi, je peux vous demander pour quelle raison vous me posez toutes ces questions ? Je ne peux pas vous divulguer cette information pour le moment, mais merci à vous. Kevin, salut, c'est Ellie. Écoute, la police vient de passer au magasin pour me poser des questions. Je voulais simplement m'assurer que ça allait. Rappelle-moi. Sarah Olsen, t'en valais vraiment pas la peine. Salut, c'est Mélanie. Laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. Salut Mélanie, c'est Ellie. On s'est rencontrés vendredi soir. Est-ce que tu pourrais me rappeler quand t'auras ce message ? Je te remercie. Il faut qu'on parle. Envoyé. Mélanie s'est déconnectée. C'est bizarre. On signerait un pacte pour améliorer nos vies respectives. Peu importe ce que ça coûtera. Moi, je dépanne Kevin. Kevin lui dépanne Ellie. Et Ellie me dépanne moi. Kevin, attends, dis-moi ce qui se passe. Je suis désolée. Sarah est morte. Et maintenant, j'ai plus le choix. Je te demande pardon. Quoi ? Kevin ? Jerry, réponds. Réponds. Allez, réponds, je t'en prie. Quoi ? Oh, Jerry, t'es là. Je crois qu'il est...
possible que tu sois en danger en ce moment. Et c'est quoi ça? Une menace? Non, je t'en prie, Jerry, tu dois vraiment m'écouter. Tu dois toujours une visite pour m'avoir accroché au nez. Ok, Jerry, t'es où là? Au centre de rééducation, sale fouineuse. Ouais. D'un meurtre. Et j'ai essayé de le joindre, mais il n'y répond pas. Kevin est allé remplir sa part du marché. Jerry Udall est ici. C'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai appelé. Non, je suis désolé, mais il n'y a personne. Le centre est fermé pour la nuit. Vous êtes sûr? Oui, madame. Ça fait plusieurs heures que je suis là et j'ai vu personne. Très bien. Bonne soirée. À vous aussi. Sens pas bien? J'arrive pas à joindre Jerry. Il répond pas au téléphone. Il était ni à son appartement, ni au centre de rééducation. Il est certainement bourré dans les vapes quelque part. Je m'inquiète pour lui. Si jamais il lui Pourquoi était... Pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Je sais pas trop. On est mieux sans lui, de toute façon. Non, s'il te plaît, chérie, évite de dire des choses comme Maman, ça. C'est vraiment... qu'est-ce que t'as? C'est bizarre. Oh, je suis désolée. Il faut que j'aille à l'école. Oui. Oui. Il y a quelqu'un à la porte. André. Ils veulent te voir. Ah, Jimmy, il vaudrait mieux que tu partes pour l'école maintenant, d'accord? Vas-y, chérie. Au revoir. Entrez. Je vous en prie. Voici mon coéquipier, le lieutenant Whitman. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène?
Nous sommes là au sujet de votre ex-mari, Jerry Yodal. Il a été retrouvé mort hier soir sur un parking en plein centre-ville. Jerry est mort? Oui, madame. Connaîtriez-vous qui que ce soit qui aurait pu lui vouloir du mal? Non, je ne connais personne. Tous les deux, vous aviez une relation assez mouvementée, non? Des disputes assez fréquentes et même quelques visites aux urgences. Oui. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Il y a deux semaines environ. Il est passé à mon boulot. Malgré votre ordonnance restrictive contre lui? Oui. Alors pourquoi ne pas avoir appelé la police? Ça n'avait servi à rien les fois d'avant. Et où étiez-vous hier entre 20h et 22h, dites-moi? Je suis restée là avec ma fille pratiquement toute la soirée. Je suis uniquement sortie pour aller au centre de rééducation, mais pas longtemps. Et vers quelle heure diriez-vous que vous y êtes allée? 21h, je crois. Au centre de rééducation à 21h, ça me paraît un peu tard, non? Je cherchais justement mon ex-mari. Est-ce que quelqu'un du centre vous y a vu hier soir? Oui, il y avait un agent de sécurité. Nous avons des images issues des vidéos de surveillance du club où se trouvait votre ex-mari hier soir. Est-ce que par hasard vous reconnaissez cette personne ici? Il est très probable que ce soit l'homme qui ait tué Jerry. Debout, là. Quoi? Qui est debout? Jerry. Il était handicapé. S'il y a d'autres infos que vous pouvez nous donner... Madame Yodal. Bien. Merci pour tout, Madame Yodal. J'ai une dernière question, si vous voulez bien. Pourquoi cherchiez-vous votre ex-mari hier soir? Je devais lui apporter sa pension. Et c'est lui qui vous a dit qu'il vous attendrait au centre? Oui. Bon, ce sera tout pour l'instant. Merci. Pas vrai. Mais ensuite...
J'ai compris. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai trouvé ça grisant. Mais j'ai rapidement déchanté. Et là, je me suis mis à flipper. La police est venue me poser des questions hier. Ils m'ont interrogé, moi aussi. À propos de toi. Tu sais, ce qui est le plus dingue là-dedans, c'est que depuis, je suis à nouveau en lice pour la promotion au boulot. Apparemment, Sarah était le seul membre du comité à s'y être opposé. Mais maintenant que j'ai... Mélanie n'arrêtait pas de me dire que ton avenir dépendait de moi. Alors c'est ce que je me suis répété. Et il fallait que je me protège. J'avais pas le choix. Je suis vraiment désolé, Ellie. C'était des personnes odieuses. Des personnes méprisables. Sarah. Jerry. La tante de Mélanie. Mais pour être honnête, c'était encore plus dur que ce que j'aurais cru. J'imaginais pas que ce serait autant. Que tout ce que je pensais faire, c'était rendre service. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose qu'on puisse faire maintenant. Il faut qu'on aille parler à la police. Quoi? On va voir la police. Et on leur dit simplement ce qui s'est passé. Non. Non, qu'est-ce que tu racontes, voyant? Non, pas question. Kevin, si on va voir la police, ils nous aideront, tu comprends? Non, on peut pas. Ellie, il faut que tu m'écoutes. Écoute, ok? C'est Mélanie, elle est devenue dingue. Je l'avais jamais vue dans cet état-là. Jusque-là, j'avais cru que c'était simplement des paroles en l'air, tout ça. Tu comprends pas. Il faut qu'on aille parler à la police, ils sauront quoi faire, je te le promets. C'est normal que tu dises ça, parce que toi, t'as rien fait. Moi, j'ai buté un mec! Je sais. Mais tu peux pas... Tu peux pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Alors voilà ce que je te propose. Toi et moi, on va se rendre à la police. Je vais venir avec toi, je te laisserai pas tout seul. Et on va tout leur dire à propos de Mélanie, à propos de Sarah et de Jerry. On va tout leur expliquer, d'accord? Écoute, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Juste un petit peu de temps. Jamie, il faut que je te dise quelque chose. Ça peut attendre. C'est au sujet de Jerry, ton père. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Viens là, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Non.
Je suis bien contente. Je suis bien contente qu'il soit mort. Oh, c'est dur. Je sais. C'est bizarre. C'est comme si ça me faisait rien. C'est pas si bizarre. Des fois, je le détestais à un point. Pourtant, maintenant qu'il est plus là, je sais pas trop. C'est flou dans ma tête. Dans la mienne aussi. Comment il est? Pourquoi on l'a tué? La police a lancé une enquête pour le savoir. Qui c'est? C'est un ami. Il a besoin que je l'aide. Je vais aller le voir. Je peux venir avec toi? Non. Il faut que t'ailles à l'école maintenant, d'accord? Je veux pas aller à l'école. Je veux dire... vu ce qui s'est passé avec papa. Écoute, alors pourquoi tu resterais pas à la maison dans ce cas? Je veux venir avec toi. Chérie, je pense pas que ce soit une... S'il te plaît. J'ai pas envie de rester toute seule. Chérie, ça va aller? Ouais. Je reviens. Je vais aller chercher mon ami. Qu'est-ce qu'il a? Il a quelques ennuis en ce moment, mais... ça ira mieux bientôt. Kevin? Pour attendre ta mère. Mélanie. Ellie. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on discute. En privé. Et où est-ce que tu veux aller? Allons chez toi. Tu peux me conduire? Je vais prendre un verre d'eau. Vous voulez quelque chose? Non, chérie. En fait... je voudrais que tu ailles dans ta chambre et que tu commences tes devoirs. Mélanie et moi, on doit discuter entre nous. Tu veux bien? Mais, maman, je... Jamie, fais ce que je te dis. J'ai pas beaucoup de devoirs aujourd'hui. Ok. Alors, je pourrais peut-être... Très bien, tu sais quoi? Pourquoi t'irais pas regarder un peu la télé dans ma chambre? Ça te va? Allez. D'accord. Merci, ma chérie. On fait quoi maintenant?
maintenant. À toi de me le dire. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin? Ça m'a tout l'air d'être une crise cardiaque. Mais vous étiez amis tous les deux. Des amis ne sont pas censés se trahir, pas vrai? Et comme moi, je ne suis pas ton amie, du coup, tu vas me tuer? J'espère pas. C'est ton tour, Hayley. Quoi? Kevin et moi, on a rempli notre part du marché, et maintenant, c'est ton tour. Sauf que je n'ai jamais accepté le moindre marché. Tout ça sera beaucoup moins fastidieux si tu faisais ce que tu as juré de faire, comme convenu. J'ai jamais juré de faire quoi... Mais c'est ce que tu voulais, Hayley. Et puis, si tu refuses de le faire, il risque d'y avoir des conséquences. Pas très gaies. Tu as une jolie petite maison, toute proprette. Une jolie petite vie, toute proprette. Et une si jolie petite famille. Tu tiens vraiment à prendre le risque? D'accord. Qu'est-ce que tu attends de moi? Lisa. Elle l'a bien mérité. Tout comme Sarah, la patronne de Kevin, et comme ton ex-mari, il faut que tu n'aies aucun scrupule. Et Kevin aussi le méritait? Non. Ne rends pas tout ça plus dur que ça ne l'est. Notre plan tient la route. On ne risque strictement rien. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avoir élaboré tout un plan? Pourquoi nous avoir mêlés à tout ça, Kevin et moi? Tu es parfaitement capable de tuer sans l'aide de personne. Pourquoi ne pas t'être toi-même occupé de Lisa, au fond? Pourquoi te compliquer la vie? Pourquoi provoquer deux... Non. Trois meurtres en plus. T'as déjà pensé à ton alibi? J'ai pas besoin d'alibi. T'es sûre? On entend tout le temps des histoires d'hommes et de femmes reconnus coupables, simplement grâce à l'accumulation de preuves indirectes. Peu importe si t'es innocente. Ils pourront prouver que t'as tué Kevin. Au motel, t'as forcément touché des trucs, comme des poignées de porte ou je ne sais quoi. Et c'est plutôt suspect de ta part de ne pas avoir appelé la police. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le mobile. Ton ex-mari s'est fait tuer, l'ancienne maîtresse de Kevin aussi. Peut-être que tu les as tués tous les deux pour pouvoir être avec Kevin, et quand il t'a dit que t'étais dingue, tu l'as tué à son tour. C'est plus une crise cardiaque alors? Un coup de fil anonyme mentionnant du poison résoudra le problème. Du poison? Et ce n'est qu'une seule théorie parmi toutes celles qu'envisagera la police. Pense à ta fille. Sans toi, elle se retrouvera toute seule. Tu veux vraiment lui faire courir ce risque, quelles que soient les preuves que les enquêteurs pourront bien trouver. On va aller faire un petit tour, ok? Je t'emmène au théâtre. Au théâtre? Et ensuite? C'est l'endroit le plus approprié pour le faire. Mais y a Jimmy. Elle peut rester toute seule. Écoute. Tu sais de quoi je suis capable. Tu ne peux plus faire machine arrière maintenant. Ça ne ferait que donner lieu à des événements qu'aucune de nous ne souhaite. Ne réfléchis pas trop, fais-le, c'est tout. Je t'attends dans ta voiture. Quelque chose à voir avec la mort de papa. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Il faut que je m'en aille, Jimmy. Je te promets que ce sera pas long, mais je veux que tu restes ici. Ouais. Il n'y a pas de représentation ce soir. Suis-moi, je vais te faire visiter. C'est ici que la magie prend vie. Ma tante va souvent jouer les petits chefs en coulisses. Non pas que ce soit nécessaire, mais elle adore faire comme si elle avait une véritable influence sur le spectacle.
Franchement, elle a aucune idée de ce qu'il faut faire pour diriger un théâtre. On a pas assez de couverture pour ça? Mais... Très bien. Fais de ton mieux pour moi, compris? Très bien, merci. T'es encore là, toi? J'avais oublié un truc. Devine ce que je viens de découvrir. Quoi? Grâce à toi, la réputation de ce théâtre pour lequel j'ai travaillé d'arrache-pied est totalement fichue. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu te rends compte que les bévues que tu as faites risquent aujourd'hui de tous nous faire couler? Tout ce que je fais, je le fais pour ce théâtre et pour sa réputation. Ma réputation. Tâche de ne jamais oublier ce détail. Tu fais exprès d'être aussi incompétente, ou bien c'est naturel chez toi? Tu as oublié de payer la prime d'assurance dans les temps, ce qui veut dire qu'à l'heure qu'il est, elle n'est toujours pas valide. Non, je l'ai payée dès que j'ai réussi à te faire transférer la somme requise sur le compte d'exploitation. Tu te souviens de Gretchen? Cette sombre idiote qui s'est cassée la jambe il y a de ça un peu plus d'une semaine maintenant. Eh bien, l'idiote nous traîne en justice. Et à cause de toi, notre assurance ne prendra strictement rien en charge. Donc, j'ai décidé de retenir une part de ton salaire chaque mois jusqu'à ce que tu aies remboursé entièrement tous nos frais. Je trouve que c'est juste, non? C'est bon. Ouvre cette pochette. Fais attention. Ça arrête les battements d'un cœur humain en 20 secondes et c'est pas donné. Alors c'est avec ça que tu as tué Kevin? C'est efficace. Écoute, Mélanie, il est pas trop tard, tu peux encore... Tous les jours à 15h, ma tante va s'enfermer un quart d'heure dans son bureau pour faire une sieste et demande qu'on ne la dérange surtout pas. À 15h, ta pente demain. Une fois qu'elle sera dans son bureau, tu attends 5 minutes. Puis tu entres en douce et tu lui injectes le contenu de cette seringue dans la nuque. Elle sera morte avant de pouvoir émettre un son. Ensuite, tu repars comme si de rien n'était et tu te débarrasses de la seringue. Mélanie, je t'en prie... Suis-moi. Je vais te montrer où est son bureau. C'est juste ici. Et toi, où est-ce que tu seras? Sortie avec des amis pour un café. Rappelle-toi, il nous faut un alibi. Un alibi? Je crois que je suis pas capable de faire ça. Hayley, ce plan doit fonctionner. Pour moi, mais pour toi aussi. T'as entendu comme elle m'a parlé? T'as vu le genre de personne que c'était? Pourtant, elle n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens, quand j'allais passer l'été chez elle, quand j'étais petite, c'était toujours de super vacances. Je suppliais sans arrêt mon père de m'emmener chez Tata Lisa pour que je puisse me baigner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père s'est suicidé. Quoi? Pourquoi? Mon grand-père était quelqu'un de passionné, avec un amour insatiable pour l'art. Il avait dépensé jusqu'à son dernier cent pour faire construire ce théâtre. Malheureusement pour lui, il s'intéressait bien plus à l'art qu'à la dimension commerciale. Ce théâtre ne tenait plus qu'à un fil quand il est mort, et c'est Lisa et mon père qui en ont hérité. Sachant à quel point cet endroit comptait pour mon père s'est démené comme un diable pour le sauver de la faillite. Ce que ma tante Lisa trouvait complètement absurde. Elle ne pensait pas que ce théâtre méritait vraiment qu'on se donne autant de mal. Elle voulait limiter la casse, le vendre. Sauf que non seulement cette salle a survécu, mais elle a prospéré grâce à mon père. C'est devenu le plus grand théâtre de la ville. Mais Lisa avait toujours su manipuler son petit monde. Quand elle s'est rendue compte que cet endroit valait quelque chose, elle s'est attribué tout le mérite et a convaincu les membres du comité d'administration de mettre mon père dehors. Il s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail, mais surtout, ça l'a détruit. Tout ça était devenu aussi important pour lui que ça l'avait été pour mon grand-père. Le fait de tout perdre à cause d'une trahison perpétrée par quelqu'un d'aussi proche, ça a été trop dur pour lui. J'avais tenté de l'empoisonner une première fois. Ah oui? Oui. Dès qu'elle a commencé à se sentir mal, elle s'est précipitée à l'hôpital, mais j'avais fait gaffe. Ils n'ont pas su qu'elle avait été volontairement empoisonnée. J'ai été entendue par la police et peut-être brièvement soupçonnée, mais en fin de compte, ils ont conclu à un accident. C'est pour ça que j'ai dû réfléchir à un plan plus abouti, tu comprends? Si la police me soupçonne, jamais je n'hériterai du théâtre. Lisa va finir par tout détruire.
Ce pourquoi mon père et mon grand-père se sont battus toute leur vie. Ce pourquoi ils sont morts. Il faut que quelqu'un l'en empêche. Je le ferai renaître de ses cendres. Parce que sans ce théâtre, je n'ai plus rien. Plus rien du tout. Si j'accepte de le faire. Si j'accepte de tuer ta tante. Promets-moi de ne plus jamais t'approcher de Jamie ou de moi à l'avenir. Bien sûr. Je te le jure. Tu lui avais demandé des choses de service. Excusez-moi, Madame Udall. Quelqu'un d'autre est venu voir Jerry. Merci. De rien. Je ne m'attendais pas du tout à te croiser ici. Je voulais le voir une dernière fois. J'aurais compris si tu n'avais pas voulu venir. Jerry ne méritait rien de tout ça. C'est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il avait quand même ses qualités. Tu es une sainte, Ellie, d'avoir supporté mon fils comme tu l'as fait. Tout ça est ma faute. Non, dis pas ça. C'est ce qu'il aurait voulu que tu croies. Et il aurait eu tort, encore une fois. Il ne t'a jamais traité à ta juste valeur. Madame Udall, désolée. Ellie Udall, nous aurions d'autres questions à vous poser, si ça vous dérange pas. Je pourrais savoir pourquoi je suis ici. Est-ce que vous me soupçonnez d'avoir fait quelque chose de mal? Non, je voudrais simplement clarifier deux ou trois trucs. Ok. Avant le meurtre de votre ex-mari. Nous vous avions convoqué pour confirmer l'alibi de Kevin Moore, c'est bien ça? En fait, c'est vous qui êtes passé me voir à mon boulot. C'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est exact. Je vois. Eh bien, nous avons retrouvé Kevin hier dans un motel. Il semblerait qu'il soit mort de cause naturelle. Kevin? Mais c'est horrible. Kevin était un des suspects pour le meurtre de sa patronne, avec qui, à ce qu'on dit, il a eu une liaison. Mais nous avons naturellement abandonné cette piste quand vous avez confirmé son alibi. Puis, quelques jours plus tard, c'est votre ex-mari qu'on retrouve mort et Kevin ensuite. Ça me paraît très étrange. C'était une question? Parce que si c'en était une, alors oui, ça me paraît étrange à moi aussi. Donc vous pouvez m'expliquer? J'aimerais vraiment, désolée. Il y a quelque chose que vous voudriez me dire? Est-ce que je peux m'en aller? Bien sûr. Je veux que ce soit recousu d'ici la fin de l'après-midi et je ne veux entendre aucune excuse. Chut. Je vais dans mon bureau une minute, que personne ne me dérange. Thank you.
Je voulais pas... Mais qui êtes-vous? Pardon, j'ai dû me tromper de tout... Tout le monde sait que j'ai horreur d'être dérangée quand je suis dans mon bureau. Je me suis trompée. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolée. Et qui vous a laissé entrer? Veuillez m'excuser. Encore pardon. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Mélanie! Combien de fois devrais-je te dire que je ne veux pas être dérangée quand je suis dans mon bureau? Merci pour le café. De rien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout va bien, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé. Non, arrête. T'aurais pu faire beaucoup mieux. T'aurais quand même pu le faire. Elle t'avait prévenu de ce qui allait se passer. J'espère que t'as embrassé Jamie avant de partir. Chérie, t'es où? Je t'aime, maman. Jamie? Elle est dans le coffre de ma voiture. Maman! Oh, je t'en prie, Mélanie! Laisse-la sortir. Elle est courageuse. Elle essaie de l'être, en tout cas. Mélanie? T'aurais dû t'en tenir au plan et aller jusqu'au bout. Je t'en prie, lui fais pas de mal. Il te suffisait d'honorer ta part du marché, Ellie. Mélanie? Même un pauvre crétin comme Kevin a rempli son contrat. Ouais, et regarde où ça l'a mené. Tu peux me croire, c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Bon, écoute. Cet après-midi, c'était le moment idéal pour agir. Je sais, j'ai essayé, je te jure. Tu avais dit qu'il fallait me faire confiance. Donne-moi une deuxième chance, je t'en prie. Je te jure. Oh, calme. Il y a une représentation spéciale pour d'éventuels donateurs. Ce soir, ce qui veut dire que Lisa va rester tard pour faire les comptes de ce qu'elle aura gagné. T'as toujours la seringue? Non, je m'en suis débarrassée. Qu'est-ce que tu vas utiliser? J'en sais rien du tout. Trouve une solution. Un couteau, un flingue, il faut que ce soit rapide, mais aussi que ça fasse pas de bruit. Je n'ai pas de flingue. Alors un couteau, mais lui donne pas qu'un seul coup. Pour être bien sûr, frappe-la au moins 3 fois. Trouve-en un qui fasse pas partie de ta cuisine. D'accord. Je suis sûre que tu trouveras un moment où elle sera seule. Et là, faudra pas hésiter. Non, attends, tout à l'heure, dans le bureau. Elle m'a vu. Oh. Faudra être rapide, alors. Et toi, où est-ce que tu seras? Pas loin. Il faut que je voie Jamie. Pas avant que ce soit fait.
Je refuse de faire quoi que ce soit. Si je n'ai pas de garantie, il faut que je sois sûre que tu ne vas pas lui faire de mal. Tu la verras ce soir. Non, Mélanie. Rebonjour, Madame Yedal. Vous auriez le temps que je vous pose encore quelques petites questions? Non, non, là j'ai pas le temps. Je serai très bref. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Je pourrais savoir ce qui vous amène. Je voulais seulement vous tenir au courant. On a la preuve que Kevin a bien tué Jerry. Est-ce qu'ils se connaissaient tous les deux? Non, je... Je sais pas trop. Vous savez ce que j'aimerais comprendre? C'est pourquoi Kevin aurait tué Jerry. Franchement. Pour Sarah, là, je comprendrais. Il avait un mobile. Même si on n'a aucune preuve que c'était lui. J'en sais rien du tout. Un agent de sécurité de l'entreprise où Sarah Olsen travaillait a dit qu'il avait vu une femme en sortir à peu près à l'heure du meurtre. Est-ce que vous connaissiez Sarah? Je n'ai pas tué Sarah Olsen. Ce n'était pas ma question. Non, je ne la connaissais pas. Et vous et Kevin, vous vous connaissiez d'où? Je travaillais à mi-temps comme chauffeur privé et Kevin était un de mes clients ce soir-là. Ensuite, quand vous êtes-vous reparlé? Le dimanche suivant. On avait prévu de sortir. Vous aviez prévu? Oui, il a annulé. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vois. Eh bien, nous avons obtenu ces relevés téléphoniques et... Il semblerait que vous l'ayez appelé à peu près à l'heure où il assassinait votre ex-mari. Je voulais reprogrammer notre rendez-vous. Puis il vous a envoyé un texto, juste avant qu'il meure. Quelques jours plus tard, il disait « Je suis prêt ». Plutôt énigmatique, non? J'ai pas répondu à son texto. Pourquoi? J'avais été questionnée sur lui par la police et... je me suis dit qu'il valait mieux pas sortir avec une personne de ce genre. J'ai 3 cadavres sur les bras, Ellie. Est-ce que vous en êtes consciente? Quand je cherche l'élément qui relie ces 3 meurtres, en surface, je n'en vois pas un seul. Mais quand j'y regarde de plus près, j'arrive à voir quelques liens très subtils qui se forment. Et vous savez où ils mènent? Ils mènent jusqu'à vous. Je suis vraiment désolée. J'aimerais sincèrement pouvoir vous en dire plus. Alors parlez-moi. Je crois que vous devriez partir maintenant. Entendu. Si vous changez d'avis et que vous voulez nous simplifier la tâche à vous comme à moi, vous savez où me trouver. Cosette avec les morts? Ouais.
Ça avait l'air d'être une sacrée ordure. Ça, tu l'as dit. Ça a donné quoi cette fois avec son ex-femme? Je suis sûr qu'elle nous a pas dit tout ce qu'elle savait. Je crois qu'on devrait la faire surveiller. Et tu crois que t'obtiendras l'autorisation? Tu sais que le département veut réduire ses frais. Il faudrait qu'on la suive nous-mêmes, en plus de notre service. Merci, c'était magnifique. Oh, merci à vous, vraiment. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Ça y est, je crois que tout le monde est parti. Sa voiture est toujours là? Ouais. Je vais entrer pour jeter un coup d'œil. Je te rappelle plus tard. Lisa, écoutez-moi. Enfin, qui êtes-vous? Votre nièce, Mélanie, veut que vous mouriez, mais pas moi. Cet après-midi, c'était bien vous. Je suis pas là pour vous faire du mal, je suis là pour vous prévenir. Restez où vous êtes, vous m'entendez? Ok, mais... T'inquiète pas, Lisa. Non, je la laisserai pas te faire de mal. Mélanie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je te présente, Ellie. C'est pour te tuer qu'elle est venue. Non, sauf que t'as pas à t'inquiéter parce que je la laisserai pas s'en tirer. Quand les flics débarqueront, ils verront que je suis arrivée trop tard pour sauver ma tante préférée. Et pour empêcher cette malade de la tuer. Mélanie, elle l'a bien mérité. Tu l'as vue? Elle me rabaisse et me critique en permanence alors que c'est elle qui est en train de tout foutre en l'air. Et toi, tout ce que t'avais à faire, c'était honorer ta part du marché. Mais maintenant, ta fille va mourir. Non, toi, tu bouges pas. Non. Ellie. Oh.
d'accord. Il y a quelqu'un ? Hé, tout va bien là-dedans ? C'est la police ! Je vais faire sauter le verrou ! Éloignez-vous de la porte, d'accord ? Reculez-vous au maximum ! Hé, tout va bien ? T'as rien ? Ma mère, où elle est ? J'en sais rien. Viens par là, toi ! Non ! J'ai appelé des renforts. Restez pas ici, sont-elles. Je... Maman ! Jimmy ! Ne lui fais pas de mal, d'accord ? Lâche ce truc. Quoi ? Lâche-le, je te dis. Fais-le glisser vers moi. Mélanie, laisse ma fille s'en aller. Je le ferai dès que tu m'auras dit où est Lisa. J'ai vraiment envie de t'aider. Mais si tu ne me dis rien, c'est toi qui condamnes Jimmy. Pitié, je fais pas de mal. Où est Lisa? Tata Lisa? La gamine va y passer si tu continues à faire la sou. Non, attends. C'est bon, je suis là. Lui, fais pas de mal. Te voilà. Tu vois, Ellie, ce n'est qu'un simple problème de motivation. Lâche Jimmy, tu entends? Non. Notre plan peut encore fonctionner. Mets-toi à genoux. J'ai dit, à genoux, allez. Maintenant, Ellie, tu l'as. Comment? Prends les ciseaux, prends-les. Bon, jette-les par terre, maintenant, dépêche-toi. Ellie, ramasse-les. Allez, grouille. Ça aurait été plus propre avec un couteau, mais c'est trop tard maintenant. Qu'est-ce que tu espères tirer de tout ça au juste? De l'argent, bien sûr. Parce que c'est l'argent le plus important, n'est-ce pas, tata chérie? Mais non, pas pour moi. Pour moi, il y a un peu plus que ça. Pour moi, c'est la jouissance d'avoir pu détruire ta carrière. D'avoir pu mettre un terme à ta cupidité et à tes trahisons. J'avais tout prévu dans les moindres détails. Seulement depuis le début, il y avait un petit quelque chose qui me chiffonnait dans tout ça. Le fait que tu ignores que c'était moi qui avais tout manigancé. Je voulais que tu saches que tu payais pour tout le mal que tu as fait à ma famille. Non, écoute... À ta propre famille. Ça peut plus fonctionner. La police t'a vu, ils savent tout. Ça fonctionnera, je t'assure. Fais-moi confiance là-dessus. T'es complètement cinglé. Tu t'en sortiras pas comme ça. Ton plan est un échec. Ça peut encore marcher. Il suffit juste que je te fasse porter le chapeau pour le meurtre, c'est tout. Tu l'as. Vous pouvez l'en empêcher. Toi, tu ne bouges pas. Je vous en prie, c'est clair. Rien ne vous oblige à obéir. Tu l'as, Ellie. Non, maman. Allez. Ne faites pas ça. Tu es complètement dingue. Je préfère le terme machiavélique. Dans ce cas, c'est toi qui devrais le faire. Tu l'as toi-même. On n'est jamais si bien servi. Remène-la. Viens, ma chérie. Non. Est-ce que tu sais quelle a été ta plus grosse erreur? Ça a été de croire qu'on était tous capables de tuer comme toi. Ellie! On est dans les coulisses! Mélanie. Tu
Il nous a tout volé. Tu as tout pris et tu nous as laissés sans rien. Tu m'as laissé sans rien. Sans rien du tout. Je n'avais que 14 ans. Non, touche pas. Je l'ai fait. J'ai réussi. Jimmy, c'est rien, je suis là. T'es pas blessée, ça va? Non, j'ai rien. Ok, ça va. Tant mieux. Viens là. Ça va, tout le monde va bien? Hé, dépêchez-vous, les gars. Vous n'avez rien? Je suis là. Venez. Ça va aller. On pourra bientôt rentrer à la maison. Salut, vous deux. Salut. Vous tenez le coup? Ça t'embête si je parle avec ta mère en privé une minute? C'est bon. Vas-y. D'accord. Viens, on va se prendre un soda au distributeur. J'aime pas les trucs qui pétillent. Et votre jambe, ça va aller? Oh, il m'en manque une petite partie, mais je crois que je vais m'en sortir. Et vous, est-ce que vous allez aussi bien que vous voudriez le faire croire? Ben, ça dépend. De quoi? De l'ampleur de mes problèmes à venir. Eh bien, l'état de Lisa semble stabilisé et elle a eu suffisamment de moments de lucidité pour confirmer ce qui s'est passé au théâtre. C'est une bonne nouvelle. Ouais, Mélanie est en détention. Elle a été très causante. Et elle plaidera sûrement à la folie. Mais je suis ravi de vous dire que vous ne faites plus partie des suspects. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je suis désolée de ne pas avoir pu vous raconter exactement ce qui se passait. Hayley, votre fille était détenue par Mélanie. Vous n'aviez pas vraiment le choix. Et je pense que le procureur sera du même avis. Vous en avez suffisamment bavé ces derniers jours. C'est une nouvelle ère qui commence. Oui. Merci. Ça a été une longue nuit. Tu dois être complètement fatiguée. Oh, ouais. Mais je suis surtout morte de faim. Oui, moi aussi. On va se prendre un petit déj? Ouais. Génial. Qui sait? Une demande de chauffeur pour l'aéroport. Tu sais quoi? Non. Ils se trouveront quelqu'un. Sérieux? Ouais. Allez, viens.